Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator. Donc voilà, tout simplement un simulateur de ferme. Donc on a joué déjà un petit peu sur ce jeu, donc on a quand même ramassé 1500 blés quasi, vous voyez dans le tableau. Donc je vais le désactiver parce que ça sera plus simple. Donc ici vous avez vos quêtes, vous voyez. Donc là il faut que je ramène, je ramasse 500 blés. Donc c'est tout, on va le faire après. Là, comme d'habitude, les codes qu'on peut avoir. Là, vous voyez, en fait, chaque jour, quand on score, on a tout simplement de l'argent. Là, c'est vos pets, vous voyez, vous pouvez les acheter avec des Robux. Et ici, vous avez tout simplement eh ben, vos pets à gérer. Donc, pour le moment, j'en ai pas encore de pets. Mais ici, vous pouvez vendre. Là-haut, 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 on va y arriver. Là-haut, on a tout simplement Bob, qui est celui qui nous donne les quêtes. Donc, quand on a découvert le jeu, j'ai eu un délire avec Bob le bricoleur. Je pense que vous connaîtrez un peu le dessin animé. Ah, c'était top. Moi, je kiffais ce truc. Ah, là, on a déjà débloqué cette zone, visiblement. Elle est verte, vous voyez. J'y suis pas encore allée. Là, on a les objets, donc les outils pour pouvoir ramasser. Et ici, les backpacks. Donc, j'ai déjà celui à 50. Mais vous voyez, il y en a un autre qui coûte 1000. 100 de capacité. Et là, c'est un beaucoup plus grand. Donc, voilà un peu le délire. Donc, la zone qu'on a débloquée est là, apparemment. Je savais même pas que j'avais déjà débloqué une zone. Ma foi, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a de beau par ici, du coup? Ah, on a une autre quête, attendez. Allez, on va parler à Stevie. Donc, faut qu'on ramasse 1000 blés. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Speedy Spiner. Je sais pas ce que ça veut dire, les gens. Bulldozer. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh! Ah, il faut être propriétaire d'un véhicule. Il faut collecter 10 000. Comment on fait pour être propriétaire d'un véhicule? Attendez, on cherche, les amis. Ah, c'est là! Ah, ok! 100 000! Wow! Et 500 000! Ok! Ah, mais les amis, il y a plein de choses que je ne savais pas. Ça va être trop cool! Oh, les amis, j'ai la hype là pour continuer. Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe d'autre? Abigail, qu'est-ce qu'elle fait Abigail? Rien, que dalle. C'est ici qu'on vient avec notre camion pour vendre, c'est ça? Peut-être bien. Du coup, bah écoutez, vous savez quoi? Je vais farmer les 1000 et les 500, bien évidemment, du coup, en même temps. Et je vous reprends dès que j'ai farmé tout ça, les amis. Alors, les amis, je vous retrouve. J'ai farmé les 500 de blé, du coup. Alors, on va reparler à Bob pour lui rendre la quête. Ok, il nous donne ça. Et maintenant, il nous donne quoi comme quête? Oui, je suis farmeur, je sais. Donc, 750. Donc, vous voyez, c'est pas mal. On va pouvoir farmer tout ça. Vous avez juste à cliquer, vous voyez, comme ceci, et à ramasser. Donc là, il nous faut 10 000 pour acheter le véhicule. Et on va essayer aussi de débloquer la zone qui est à 3200 là-bas. Voir un peu ce qu'on peut avoir. Parce que là, pour le moment, apparemment, les pets, je peux juste les avoir avec des Robux. Donc, j'aimerais voir si il n'y a pas moyen d'en avoir autrement. Parce que, bah, je vais pas payer des Robux pour ça, quoi. Donc c'est un peu dommage. Bon, je vous laisse là, je ferme les 750 et je vous reprends après les amis. Alors les amis, je viens de vendre mes derniers 50. Donc on va aller revoir Bobby là-haut. Hop, allez Bob, qu'est-ce que tu vas nous filer comme truc? Un token et du cash, ok. Donc il faut qu'on collecte à la Red Farm Housefield. Donc je pense que la Red Farm c'est celle-là, donc ça doit être le champ qui est derrière. On va aller tester ça en direct ensemble. C'est bien ça, donc il faut que je ramasse 500 de blé et en même temps 750 ici. Ok, donc moi bien, pourquoi pas. Hop, on ramasse vite fait ensemble le sac, les amis. C'est plutôt cool. Alors, on va les vendre rapidement et ensuite on va aller voir Stevie là-haut, histoire de voir ce qu'il va nous filer comme quête. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Écoute, écoutez, on va rush les quêtes. Enfin, rush, on va aller aussi vite qu'on peut. Parce que vous voyez, 2500 avant de débloquer l'autre zone. Donc j'aimerais bien le faire dans cette vidéo. Ça pourrait être cool de voir ce qui se passe dans l'autre zone. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il va nous donner Stevie? Alors, Stevie, Stevie, Stevie. Quand il y a quelqu'un dans un camion, on le voit pas. C'est un peu what the fuck là. On croirait qu'il y a des fantômes, les amis. Hey kid. Ok, je m'appelle Kid. Je suis passé Grazer, les amis. Donc, il faut que je ramasse à la Yellow Farmhouse 800. Donc, ça doit être le champ qui est là, je suppose.
C'est ça, donc on remplit un sac ensemble, comme ça on voit un peu où sont les champs ensemble et tout. C'est plutôt pas mal pour vous informer un peu. Ah, il y a même un truc pour vendre ici. Oh bah nickel, on peut farm là et en même temps là-bas en bas. Ok. Moi bien, c'est cool ça. Ils ont bien travaillé, ceux qui ont développé ça. C'est pas mal. Du coup. Eh, on peut avoir des workers et tout. Ah, on peut employer des gens. Mais c'est cheat les gens. On peut employer des gens. What the fuck? Ah là là, les zones à 8000 et tout. Enfin, il y a encore 7000 aidés à débloquer. Mais les zones coûtent super cher après, les amis, niveau blé ramassé. Waouh, va falloir farmer sévère. 47 000! Vous me direz, ça doit aller assez vite en vrai. Attendez, dans le chat. 1 milliard qu'il a ramassé le mec! Mais il a dû y passer un temps monstrueux. 13 000 tokens! Waouh, regardez-moi les stats! Je suis pas la plus nulle, mais à côté de lui, je suis du pipi de chat, quoi! Oh la vache, le mec il a sévèrement tryhard les amis. Bon, je farme le blé qu'il faut ici et là-bas en bas et je vous reprends après les copains. Alors les copains, j'ai ramassé les 1200 à la yellow farm là. Et je viens de voir qu'il y a ça ici, donc je vais voir ce qui se passe. Hey farmer. Ok. Julia Cast. Il faut acquérir un mousepad, donc une souris pet. Et collecter 1000 blés en utilisant. Ah ouais! Donc là, c'est en Robux et là, c'est en argent. Donc il me faut 10 000 pour avoir le premier pet. Oh, d'accord. On va te parler à toi, donc il faut juste prendre les œufs. Et bah voilà, on a notre réponse, les amis. Et on a des pourcentages de chance d'en drop un plus ou moins bien. Ok. Donc, ok, c'est 10 000, 100 000. 1 million, 10 millions, ok. Ok, et eh ben voilà, on a notre réponse, on sait où avoir nos pets. Bah écoutez, on... voilà, bah 10 000, hein. 10 000 fois 2, donc 20 000 dans cet épisode. Mais avant, j'aimerais quand même améliorer mes outils, histoire d'aller un peu plus vite, parce que j'avoue que ma pelle est très lente. Donc c'est un petit peu la galère. Du coup, on est déjà équipé de ça. Le râteau c'est 500 et ça c'est 1000. Bah autant que je le prenne le râteau les gens. Pour le prix. Le sac à dos. Il coûte 1000 aussi. Je préfère investir, vous voyez, 2000 les gens. Et avoir plus de stockage et aller plus vite. On va tester ça. Et je comprends pas alors comment ils font pour récupérer les fruits par contre. Là je vous avoue que je n'y comprends rien. Bah attendez, pourquoi on n'est pas équipé du sac? Il se fout de moi le jeu ou bien là? Alors on va aller voir. On va y retourner parce que. Voilà, c'est pas normal. Voilà, là on en est équipé. Bon, du coup, je vais farmer les 750 qu'il faut farmer ici. Et je vous reprends après les copains. Alors les copains, j'ai farmé tout ce qu'il fallait au niveau de la Red House Farm là. Et la Red Farm House du moins. Et là, on va rendre la quête à Petit Bob. Et ensuite, eh ben, on va voir ce qu'il nous propose hein, comme quête. Et en vrai, il nous faut 10 000. Hein. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas chipoté là. Du coup, il nous donne. Il faut ramasser 1000 à la Red Farm House encore. Ok. On va aller voir Stevie ensemble. Allez, on y go. On y go, go, go. 1000, je sais pas combien on va récupérer de cash à la fin, je sais plus les tarifs. Alors, on va rendre ça. God Farmer, Dieu Farmer, sérieux? Ils sont sérieux au niveau des grades? Alors, on rend ça à Bobby. Stevie, pardon. Silo Backpack. Et il est où le silo backpack? Using the rate. 1000. C'est là? Non, c'est pas ici. Alors là, il y a quelque chose que j'ignore, les amis. Il y aura un commerce quelque part qui vendrait des autres sacs? Parce qu'il me demande d'avoir un petit silo backpack.
Je comprends quand même quelques petits trucs. Alors, où est-ce qu'il y aurait ça? Mais mec, arrête de me rouler dessus! Ah, là, il y a un truc bleu, attendez. C'est un shop? Bah non, c'est juste des maisons. Bah. Un silo backpack. Où est-ce qu'il y aurait ça? Celui-là, on est d'accord que c'est que des maisons? Soundtrack. C'est quoi ce petit truc? Bon. Là, Abigail, je l'ai déjà vu tout à l'heure. Silo backpack. Ça correspond à quoi, sérieux? Celui-là, c'est juste pour les véhicules. Il a 500 en capacité. Ah ouais, c'est déjà pas mal. Ah non, mais c'est même pas 10 000, c'est 100 000 pour le premier véhicule. Bon, on l'aura pas dans cet épisode-là, les amis. Bon, on va voir les 10 000 pour le pet, au moins. Mais où est-ce qu'il est, cette histoire de silo backpack? Je comprends pas, les amis. Faut que j'en collecte encore 35 pour pouvoir utiliser ce portail-là. Ok. Ah, il faut que j'ai 35. Ramasser encore 35 pour là, alors que... Ça n'a pas de sens. Sache-toi que c'est quoi, ça? Alors, les amis, j'essaie de comprendre avec vous, parce que là, j'avoue que j'y comprends rien. Collection de 12. Gold House, stick. Gold House... Ou, pardon. Alors là, les amis, j'y comprends que dalle, je vous avoue. Où est-ce que cet item? Voilà, on a débloqué le portail, comme ça on sera tranquille. Mais j'y comprends rien, cette histoire. Parce que je veux pas faire sa quête si je comprends pas la quête, quoi, vous voyez? C'est un petit peu normal. What the fuck? Small silo backpack. Alors là, les amis, la quête, je ne sais pas où elle va me mener. Je ne comprends pas la quête. Du coup, là, il me dit qu'il faut que je fasse 14, 15 quêtes au total. Sauf que là, à moins justement d'avoir les 10 000 pour le pet, ça me paraît tendax. Parce que la Red House Farm, c'est celle qui est là. Ça, je le sais. Orange. Elle est où, la orange? Alors, la orange. Elle est tout là-bas. Ils vont me demander d'aller farmer là où j'ai pas d'accès? Ils sont sérieux? Mais où est-ce qu'il est, cette histoire de silo backpack? C'est ça, la orange? Celle qui est devant moi, là? Eh, hey, je suis passé planteur, les amis. Alors là, les amis, il y a des moments où je me demande. C'est bien celle-là, la orange. Elle me paraît pas trop orange, mais c'est celle-là, la orange. Du coup. Mais où est-ce qu'il est, cette histoire de backpack? Parce que je vais pas pouvoir remplir la quête si je sais pas où il faut avoir l'item. Logique, vous allez me dire? Bah mince, ils sont sérieux. Celui-là, on est d'accord qu'il n'y a rien. Je peux juste vendre. Je peux pas lui parler à Emily. Ouais, c'est Marseille. Whizbuyer, donc c'est le vendeur. On est bien d'accord. Enfin, je le prononce très mal, mais. Ça, quand même, je sais la traduction, quoi. Bah mince. Bon, écoutez, je vais farmer les 1 000 là-bas, hein, honnêtement. Je vais farmer pareil à la ferme, enfin à la ferme rouge. Et puis je vous reprends après, voir un peu combien j'aurai en argent et on verra ce qu'on fait. Alors les amis, vous voyez, je vous reprends parce qu'il y a un fruit qui est tombé. Et en fait, c'est juste pour vous dire, quand on clique sur le fruit, eh ben, on obtient des tokens. Vous voyez, enfin quand on marche ou qu'on clique dessus, on obtient des tokens. Donc voilà une façon assez simple de farmer du token. Donc là, je suis en train de farmer les derniers 100 dans cette zone, donc je vais vous garder. Et using the rake, donc rake, ça doit être le râteau, donc je ne l'ai pas acheté, donc il va falloir que j'aille acheter le râteau.
Donc voilà, donc on est pas mal, on a 5 000 de cash, donc on va avoir 6 000 je pense bientôt. Donc il nous manque pas grand chose pour avoir le pet. Donc l'objectif c'est d'avoir le pet et pour le véhicule, bah, j'essaierai de continuer ce jeu en live et tout simplement en live bah, vous proposer d'avancer sur ce jeu quoi tout simplement tous ensemble. Donc si y en a qui ont déjà testé le jeu, bah voilà, n'hésitez pas à rejoindre les lives. Et si vous avez jamais testé le jeu, bah ça sera l'occasion de le tester, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc il nous reste encore 100 au final à ramasser parce que je devais remplir mon backpack là. Donc voilà, on va ramasser les 100 derniers pour cette quête. Et voilà, comme je vous ai dit, bah voilà, on vise le pet pour cette vidéo. Parce que voilà, enfin, on n'a pas le choix. Je vais pas farmer 100 000 là, ça fait déjà. Fouaf. Quasi 1 heure que je suis en vidéo, quoi, on va dire, je pense à peu près. C'est pas grave, les amis, il y aura des cuts et tout, vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir une vidéo qui va durer 10 ans. Voilà quoi, c'est vraiment du farming et des quêtes, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on a du farming, mais il est utile parce que tu as des quêtes à faire et tout, et c'est vraiment ça qui est intéressant dans ce jeu. Moi, franchement, si je fais un simulateur où il n'y a pas vraiment d'objectif en dehors juste de farm, bah je le ferai pas. Il faut qu'on descende. Donc j'ai refait le tour de la zone également et bah il n'y a rien par rapport au silo backpack. Donc ma foi, je pense qu'il va falloir le débloquer dans une autre zone, ce truc. Là je vise juste les 10 000 pardon, pour pouvoir acheter le pet et histoire de compléter ça, vous voyez. Parce que là la red farm à hausse, les 100, je vais les faire en même temps que celle-ci. Donc voilà, autant faire tout en même temps, vous voyez. Alors le râteau c'est celui d'à côté, donc voilà. Non, c'est Garden Fork. Mais j'étais pas encore équipée de ça. D'accord. J'étais pas équipée du râteau depuis tout à l'heure. Ok, moi bien, les gens. Moi bien. Elo n'avait rien calculé. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Eh ben, ça va aller mieux avec ça, du coup. Voilà, on va pouvoir faire la quête des 1 000. Donc, je farm 1 000, les amis. Et je vous reprends après. Alors, les amis, on se retrouve. Donc là, il y a le store Hit. Je me suis promenée et voilà, on a tout simplement le small silo. J'ai mis du temps pour le trouver, je vais pas vous mentir, j'en ai clairement un. J'ai galéré extrêmement. Donc c'est dans le store Hit qui se situe juste à côté de là et j'avais pas été voir là où c'était marqué store Hit. Donc voilà, Hello, t'es vraiment nul des fois, c'est fou. Donc au moins on a fini cette quête, on va pouvoir rendre la quête à Bob aussi. On a que 5 000 du coup en cash. Donc il va falloir farmer encore. Voilà, on a au moins trouvé où on avait le small machin chouette là. Hein. C'est plutôt cool. J'ai eu des tokens en plus. Donc ma foi, c'est toujours bon. Ah, j'ai pas pris l'autre quête à Steve. J'ai zappé. Tellement content d'avoir trouvé le truc que j'ai zappé. Collecte 1 500, ok. Pas de problème. Bob, ça on peut le faire assez facilement. Hein. 15 voyages, hein, du coup, les amis. Ah non, moins maintenant, on est en 200, mince. Holo, tu dis des bêtises en plus. Alors, on va revoir Steve. Je reviens pas de pas avoir vu tout de suite le store Hit écrit, quoi. Enfin, c'est énorme, là, Holo. Georges, il me dit d'utiliser aussi un véhicule. Il est sérieux, ils vont tous me dire d'utiliser un véhicule. Ah non, c'est Georges et Steve, pardon. Yellow Farm et la Orange Farm. Ok, 1 250. Il faut que je ramasse 1 500 pour Bob. Bah écoutez, j'ai farmé 1 500 et je vous reprends dès que je dois aller revoir Bob, les amis. Hein. Alors les amis, j'ai fini de ramasser les 1 500 pour mon petit Bobby là. Donc qu'est-ce qu'il va nous donner maintenant? 2 000 et 1 000 à la Red Farmhouse. Ok. Nous, ce qu'on veut faire là, c'est finir cette quête-là, là-haut. Donc je vais retourner à la ferme Orange. On va aller voir, tenez, en passant, combien il coûte le prochain backpack. Bon, je vais pas le prendre maintenant parce que là, je vise les 10 000 pour le pet. Donc, il nous manque 2 500, enfin un peu moins de 2 500, quoi. Mais voilà, on s'approche du but de l'épisode, du coup. Parce qu'au départ, je voulais le véhicule, mais c'est beaucoup trop cher. Le prochain coûte 7 500. Ok, donc en fait, si on le prend, on dépense tout notre argent. Donc là, c'est pas du tout l'objectif. Le champ orange, il est là-bas. Mais on devrait pas tarder à débloquer notre zone, je pense, hein, vu de tout ce qu'on a pu ramasser depuis le début. Mais on va déjà continuer les quêtes ici parce qu'il y en a déjà assez à faire. Je pense qu'on va débloquer notre zone. Hein. Très clairement. Hein.
Ouais, 1317 là-bas. Je pense que celle-là, on va la débloquer. D'ici le temps qu'on ait les 10 000 pour le pet. Bon, alors, je farme les 1 000 qui me restent ici et je vous reprends après les copains. Alors, les amis, tout simplement, j'ai fait les caisses, je les ai rendues. Donc là, au niveau de Bob, il faut que j'ai le Garden Fork Tool. Et que je récupère 1 000 avec ça, 5 000 de blé. J'ai pris un pet, donc j'ai eu à peu près de la chance. Je vais vous montrer un peu les stats. Et je suis un peu déçue parce qu'au final, bah, comme j'ai eu un peu de chance, et bah, regardez, j'ai eu le deuxième pet en gros. J'ai celui qu'on a 25% de chance d'avoir. Et en fait, la souris, ça a l'air d'être celle-là, vu de ses oreilles. Et celui-là, ça a l'air d'être un lapin, le rare. Donc au final, comme j'ai eu de la chance, bah, j'ai commencé à ramasser. Vous voyez, j'ai amélioré mon pet niveau 4. Mais bah, elle me compte pas ma quête vu que j'ai pas eu le moss. Donc voilà, déçu. Totalement déçu. Regardez si je ramasse avec lui. Vous allez voir, il est trop bien. Il est lumineux et tout. Des fois, c'est rigolo. Regardez, là, il augmente en niveau. En fonction de ce que je ramasse. Ah, il faut que j'aille vendre. Je trouve ça sympa. Et regardez comment il se dandine et tout. C'est trop marrant. Je trouve ça kiffant. Bon bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Du coup, je suis un petit peu déçue. Mais bon, c'est comme ça. On a notre premier pet. Donc comme je vous ai dit, je vais continuer en live. Donc n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch afin de suivre mes aventures sur Farming Simulator. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu les amis. En tout cas, moi, je kiffe ce jeu. J'aime bien le système de quête. Donc je vous laisse là pour cette vidéo. Je vous dis à demain pour une prochaine. Et portez-vous bien. Voilà, des bisous à tout le monde. Ciao, ciao.